Quay, bienvenue à Radio Tam. Aujourd'hui, on reçoit Chelsea June, qui était de l'émission Direction. Donc, elle est avec nous. Quay, ma chère Chelsea. Quay, Marco, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. OK, bon, la question qu'on pose à tous nos invités qui viennent nous voir ici sur le plateau pendant l'enregistrement, c'est qu'est-ce qui t'a attiré vers la musique? Quand est-ce que tu as commencé ça? Mais la musique a toujours été en moi. Je pense que quand j'ai venu au monde, la musique, c'était mon destin. J'écris tout le temps, j'écoute tout le temps plein de sortes de musique. Je suis toujours entourée par la musique. Et je trouve que dans chaque moment de la vie, c'est toujours la musique qui nous accompagne. Fait que c'est un privilège d'être capable d'écrire et de chanter mes propres chansons pour que mes chansons puissent être aussi dans les événements des personnes. Tu chantes dans les deux langues, anglais et français, donc tu es parfaitement bilingue. Donc, c'est quoi le plus facile pour toi? C'est sûr, anglais, c'est toujours plus facile. En français aussi, c'est la langue de l'amour. Tu sais, fait que ça dépend quelle émotion que je veux aller chercher. C'est sûr, le français, quand c'est lent, des chansons qui sont très puissantes. L'anglais aussi, je suis capable peut-être un peu plus m'exprimer les vraies émotions, mais j'adore les deux langues. OK, donc tu es d'origine Anishinaabe, je crois. Oui, je suis métisse de la région Ottawa-Gatineau, mais ma mère, elle vient de Maniwaki, fait qu'on a toujours eu du sang dedans, nous autres, qui vient chercher nos racines. Depuis le temps que tu chantes, plutôt, c'est quoi l'événement le plus insolite ou le plus spécial que tu as vécu depuis que tu as commencé? Bien, je dirais aujourd'hui. Être sur TAM, ça, c'est fantastique. Je voulais que je me pince une couple de fois, là, faire sûr que je rêve pas. Aussi, j'ai fait mon lancement de 10 à Cabaret La Bazoche, à Elmer, à la Maison de la Culture. J'ai été choisie comme nouvelle artiste. Ça aussi, c'était fantastique. J'ai eu la chance de faire les choses de médias, été sur la télé, avoir du monde qui ont venu voir mon spectacle. C'est toutes des choses que j'aurais même pas été capable de rêver. T'sais, quand j'ai commencé tout ça, je me suis dit, je fais la musique pour moi, puis si ça va plus loin, c'est fantastique, puis sinon, ça reste que j'adore faire ça, fait que je vais continuer de le faire. Quand on a atteint quelque chose, donc il faut avoir d'autres rêves. Hein? Donc, si tu en aurais d'autres, ça serait quoi? Bien, moi, ça serait d'avoir un agent, d'avoir quelqu'un qui connaît le business, qui pourrait m'aider. Parce qu'en ce moment, je fais tout toute seule. Fait que des fois, ça vient que, tu sais, quand tu fais social media, tu fais, tu sais, tout seule, ça vient que c'est des étapes pour passer par-dessus. Mais quand tu as quelqu'un qui connaît vraiment le business, puis peut t'aider, peut te guider comment faire les bonnes décisions, où aller, ça serait super. Je suis en train de travailler sur mon deuxième album. Ça va être complètement, quasiment un style différent, plus soul, plus blues, plus mellow. Je pense, en être artiste, tu es toujours en train de développer. Puis entendre différentes musiques, fait d'autres influences, tout ça. Fait que je suis vraiment excitée pour ça. Et juste de continuer sur le chemin où ça va m'amener, tu sais, de faire plus de live shows, des choses comme ça, de rencontrer plus de musiciens, puis d'être dans le monde musical. À tes fans, à ceux que tu connais, à ceux que tu aimes, qu'est-ce que tu lui dirais également? Bien, merci. Toujours, le support, c'est fantastique. Tout le monde sur Facebook, sur mon site de web, le monde qui écoute vraiment les paroles parce que c'est des messages que j'aime partager avec tout le monde. C'est juste fantastique. Okay. Et dernière question, ça c'est vrai que c'est la dernière. ton expérience à TAM aujourd'hui, comment t'as trouvé ça? C'était magnifique. C'était vraiment quelque chose tellement spécial. Venir ici comme nouvelle artiste, c'est quasiment un choc parce que tu sais même pas tout le travail qui va dedans. L'équipe, c'était super. Chaque personne, fantastique, super gentille. Il te fait sentir super à l'aise. Puis je me sens vraiment bénie d'avoir cette expérience.
En tout cas, on était très choyés que tu sois avec nous. Un gros merci encore, puis en tout cas, tout ce que tu souhaites dans les prochains mois et tout ça. Bien, merci beaucoup à toi et merci à Tam. Donc, c'était Chelsea June qui était avec nous. Donc, un gros merci à elle. Et surtout, pour plus d'informations, allez sur radiotam.tv. Yamé! Le temps, c'est meilleur.